Comme partout en France, une vague de chaleur touche notre région depuis aujourd'hui. Certains ont décidé de se baigner pour se rafraîchir. Et justement, aujourd'hui, c'était l'inauguration de la plage des Deux Rives à Nancy. Johan Rodier et Inès Pontexera. Un soleil de plomb et plus de 30 degrés à l'ombre. Des conditions idéales pour le lancement de la plage des Deux Rives. Dès l'ouverture du site, de nombreux Nancéens sont venus s'offrir une petite parenthèse rafraîchissante sur les bords de la Meurthe. Ça tombe au bon moment avec la forte chaleur qui est annoncée. Donc c'est chouette pour les enfants. J'aime bien parce qu'il y a des jeux d'eau, il y a une piscine pour ceux qui veulent nager, il y a pour se reposer. Il y a pour tous les goûts en fait. Hein. Donc les enfants du côté là, j'accompagne. C'est pas ma taille, mais ça fait rien, j'accompagne. Et puis à côté, donc, c'est un bassin idéal, l'eau est très bonne. Un jardin d'eau pour les plus petits. Deux bassins, dont un de 25 mètres, pouvant accueillir 450 personnes. Au total, ici, plus de 700 mètres carrés d'espace aquatique sont proposés gratuitement au public. Et cela répond à un vrai besoin pour les habitants du Grand Nancy qui n'ont que très peu d'endroits où se baigner aux alentours. D'autant que les deux plus grandes piscines de la métropole sont fermées pour cause de travaux. C'est vrai, c'est la seule chose qu'on a de gratuit sur Nancy. Et ça permet de faire une sortie en même temps avec les enfants. Ça occupe. Déjà, ça permet aux gens qui n'ont pas d'argent de pouvoir venir. Et c'est idéal. Là, on est bien au soleil. On s'amuse. C'est gratuit, c'est accessible au plus grand nombre. Je pense que ça va cartonner tout l'été parce que c'est un vrai besoin. D'ailleurs, on voit bien, c'est le premier jour, c'est déjà plein. Ça crie, ça joue, ça chante, ça se repose. Pour sa première édition, la plage des Deux Rives avait accueilli 130 000 visiteurs malgré un été plutôt maussade. Une fréquentation qui a de fortes chances d'être battue cette année. Le site sera ouvert jusqu'au 4 septembre, tous les jours, de 9h à 20h.